avoir un bon spectacle. Ça vous a plu les premières parties? Ouais, c'était une blague que j'ai trouvée en venant là. Ah, ça me fait plaisir, je suis là. Bah, comme il a dit, je suis en train de travailler mon deuxième spectacle. Il y a des gens qui ont vu mon premier spectacle? D'accord. Non, mais l'entrée, elle est à 40 euros. Mais moi, je voulais pas y aller, c'était trop cher, tout fou. Pourtant, je vous jure que mon premier spectacle, il a cartonné. J'ai joué un peu partout dans le monde. J'avais choisi comme thème la société de beaux gosses dans laquelle on vit. C'est pas maintenant qu'il faut rigoler, madame. Non, non, parce qu'on vit, on vit dans une société, franchement, où si t'es pas beau, c'est chaud. Hein, tu me comprends, toi? Allez, courage, le combat continue. Mais j'étais comme... Rigole, hein, t'as une sale tête, tu peux faire que ça. Non, parce qu'il se dit, moi, oui, toi, t'as vu ta tête. Non, mais vraiment, je savais pas qu'en choisissant ce thème, j'allais devenir le représentant des moches de France. Je te jure, des moches, ils en venaient des quarts entiers pour venir voir mon spectacle. Ils venaient directement de Mochi, un pays où il n'y a que des têtes de ouf. Tu sais, mais j'étais pas prêt, ça fait peur quand le rideau s'ouvre, 800 personnes. Boudère, Boudère! Une fois, il y en a un, il s'est levé, Boudère, tu nous représentes! J'ai dit non! Et moi, ça m'arrive souvent quand je suis dans la rue, tu sais, on me demande des photos, une fois véridique. Une meuf, une hôtesse de l'air, un avion, super jolie. Elle vient me voir, elle me dit, Boudère, on peut prendre une photo? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Elle me dit, oh là là, t'es gentil. En plus, t'es le portrait craché de ma sœur. Je dis, putain, la pauvre! Après, elle montre une photo de sa sœur, il manquait un œil des chicots. J'ai dit, ben, ils ont pas abusé quand même, moi. Oh. Et même sur la photo, elle puait de la gueule, hein. Je te jure, après mon spectacle, c'était des cours des miracles, moi, ma loge. Messire, messire. De fou, je te jure, ça fait peur. En plus, c'est vrai, on vit dans une société de beaux gosses. Je vous jure, c'est vrai que même la chirurgie esthétique, ça coûte cher. Moi, j'ai une copine à moi, elle aimerait bien se faire gonfler les lèvres. Bon, comme elle a pas d'argent, une fois par semaine, je lui mets une patate, c'est pour l'aider. Non mais c'est vrai, c'est super chaud. Pourtant mon premier spectacle, comme je vous l'ai dit, j'ai joué un peu partout dans le monde. J'ai joué en Belgique, j'ai joué en Suisse. Et tu sais, quand tu joues dans les autres pays, le public n'est pas le même. En Belgique, ils ont pas de filtre, les mecs. Je te jure, il y a un couple, il est venu me voir après le spectacle, direct, il me dit, Monsieur Boudère, je suis avec ma femme Maggie, et on se posait une question, c'est un masque ou c'est votre tête? Il me sort de là, ouais. Après, j'ai joué en Algérie. Il y a des gens qui sont d'origine algérienne? Oui, il y en a toujours dans les soirées gratuites. Allez. Allez, sortez vos drapeaux, on va pas passer la nuit ici. J'ai adoré jouer en Algérie. J'avais un peu peur de jouer en Algérie au début, je connaissais pas. Tu sais, mais le producteur qui a acheté le spectacle m'a dit, Boudère, t'inquiète pas, le peuple algérien, c'est un peuple hyper gentil. Vraiment rigolo, ils sont très accueillants. Ils sont bons, ils sont accueillants partout, sauf dans les restaurants et les cafés. Il m'a dit, fais attention parce que les serveurs, c'est des mecs hyper vénères. Faut leur parler très gentiment parce qu'ils travaillent 30 heures par jour. Cherche pas à calculer, c'est l'Algérie, c'est comme ça. Donc un matin, j'ai été prendre un petit déjeuner sur Alger, j'ai fait le test. J'ai appelé le serveur, j'ai dit, excusez-moi, oui, votre Altesse. Oui, je pourrais avoir un café et un croissant, s'il vous plaît? Le mec, il me ramène un café, un croissant. Je goûte le croissant, il était un peu bizarre. Je dis, excusez-moi, votre croissant, il est bizarre, on dirait un croissant d'hier. Il m'a dit, alors? J'ai dit, alors, t'énerve pas, je veux un croissant d'aujourd'hui. Il m'a dit, viens demain. De fou. C'est incroyable. Viens. Viens demain, le croissant d'aujourd'hui, tu viens demain. Allez, on va l'attendre. Hein. Non, non, chacun, il a payé sa place comme tout le monde, il doit tout comprendre. Après, j'ai joué où? Ah ouais, j'ai joué en prison avec mon premier spectacle. Je vous jure que c'est vrai. J'ai joué en prison, et quand tu joues en prison, j'ai joué plein de fois en prison, mais quand tu joues en prison, moi j'aime pas savoir ce qu'ils ont fait les gens, tu sais, pour pas avoir une mauvaise image d'eux. Mais une fois j'ai joué là-bas, il y avait un mec, il est arrivé, je te jure, avec une petite coupe comme ça, des lunettes, une cravate, chemise, en prison. Hein. Et lui m'a dit, Monsieur Boudère, je pourrais avoir un autographe s'il vous plaît? Je dis, ouais, pas de problème, à quel nom je vous le fais? Il m'a dit, non, non, juste la signature. Donc, attends, c'est pas là. Et je lui fais la signature, il s'envoie, et puis tu sais, ça me travaille. Je dis à mon pote, Momo, pourquoi il est là, lui? Il dit, tu le connais pas, lui? Lui, c'est le chef des gangs des crédits. Je dis, ah ouais? Il dit, bah lui, il imite des signatures, il prend des crédits. Je dis, m'appelle-le! Donc ça m'a fait peur. Et depuis 4 ans, j'ai arrêté de faire du stand-up, j'ai fait autre chose, j'ai fait du cinéma. Vous avez peut-être pu m'apercevoir dans Neuilly sa mère, voilà, où j'avais un rôle très important. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, j'avais le rôle de celui qui devait agresser les enfants quand ils sortent de l'école. J'ai réussi à changer le scénario parce qu'au début, je devais les manger, les enfants, donc ça va. Après, j'ai joué dans Beurre sur la ville, 3,5 millions d'entrées sur YouTube. Ça a cartonné, vraiment. Là. Parce qu'il n'y avait que mon frère et moi, on cliquait pendant des jours et des jours.
Après, j'ai pas eu de scénario. En fait, après, j'ai eu le titre d'un scénario. Parce que c'est un pote à moi avec qui j'ai grandi, qui s'appelle Abdel, qui est venu me voir et m'a dit, écoute, Boudère, je t'ai écrit un film. Mais avant de vous expliquer le titre qu'il m'a donné, Abdel, il est pas comme nous. C'est un mec qui fume beaucoup de... C'est même plus, il fume du shit, il en mange tellement il est défoncé. Une fois, il est rentré chez lui, il a regardé son père pendant une heure comme ça. Son père lui a dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Il lui a dit, je sais pas où je t'ai vu, toi. Et il est venu me voir, il m'a dit, écoute, Boudère, je t'ai écrit un film, mais pour l'instant, j'ai que le titre, ça s'appelle Sofiane contre le T-Rex. Donc, c'est défoncé, celui-là. Je dis, attends, putain, Abdel, je vais encore faire le rôle d'un rebeu. Il m'a dit, qui t'a dit que tu seras Sofiane? Ça veut dire que je serai le T-Rex. Et ce que je vous raconte sur scène, c'est vraiment ce qui m'arrive dans ma vie, vraiment. Et depuis 4 ans, je suis papa. Voilà, je voulais vous le dire personnellement. Non mais c'est vrai, ça change quelqu'un d'être papa. Et puis je suis un vrai papa, hein. J'étais là à la naissance, tout ça. En plus, comment j'étais là à la naissance, quand mon fils il est né, il a pas pleuré. Parce que dans la famille, t'as vu, on est des bonhommes. Il a pleuré que quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit, regarde, c'est papa. Et je lisais dans son regard, putain, sur 1 million de mecs connus, je tombe sur lui, mon frère. Ça peut pas être Brad Pitt ou un truc comme ça. Donc mon fils, c'est un mec à qui je donne 20 euros pour rigoler. Non mais t'es en retard, mon frère. Donc, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais t'es pile d'air, il m'en achète un. Vous êtes possédé, madame? Deux fois, qu'est-ce que... Non, mais c'est quoi? C'est un rire que vous déclenchez à la radio ou... Oh là, elle reste derrière, il y a des enfants devant. Donc, bon, j'ai un fils de 4 ans et je sais pas ce qui est bon pour lui et ce qui est pas bon. Tu sais, je suis pas encore prêt. Je sais pas s'il peut fumer le shit avec moi ou pas, tu vois. Des fois, je lui fais des soufflettes pour voir s'il réagit ou s'il est... En plus, on m'avait pas dit, tu sais, que pour avoir un enfant, faut d'abord prendre un crédit CTLM. Ça coûte super cher, un enfant. Le principe des couches, moi, je pensais que c'était une couche jusqu'à l'âge de 10 ans. Je savais pas qu'il chiait dessus toutes les 5 minutes, moi. En plus, des gros caca de bonhomme, moi, pendant 2 mois, je crois que c'était mon oncle qui chiait dans la couche, hein. Mais je vous jure que les couches, ça coûte cher. Eh ben, ça m'a traversé l'esprit d'en voler des couches. Un matin, je suis arrivé devant Lidl, j'ai dit, je vais faire un carnage aujourd'hui. Après, je me suis dit, putain, Boudère, t'imagines, tu te fais attraper en train de voler des couches, la honte. Tu sais, tu vas en prison pour vol de couches. T'imagines, dans la cour de promenade. Hé, hey, ouais, t'es là pour quoi, toi? Moi? Grosse équipe. Le gang des Pampers, ouais, c'est nous. Du coup, j'ai un enfant, mais je sais pas ce qui est bon et ce qui est pas bon pour lui. En plus, moi... Arrête, ils vont croire que c'est trafiqué ce qu'on fait le soir. C'est votre femme, monsieur? Elle a dit quoi? T'es drôle? Oh mon cœur! Est-ce que je peux voir ta tête? Parce que si t'es mignonne, il y a moyen de faire un truc, celui-là. Ah, celui-là, après, c'est compliqué. T'es drôle. Toi, t'es ouf, par contre, c'est. Merci de rigoler, ça me touche. On peut l'applaudir quand même, parce que depuis le début. C'est quand même... Non mais c'est vrai, elle nous coûte quand même 800 euros quand même, la petite. Parce que tous les soirs on met quelqu'un comme ça pour faire rire. Merci, bien joué, Rire et Chanson, bande de trafiqueurs, va. Ah, je plaisante. Non non, mais j'en étais où avant la ouf là, Non, du coup, j'ai oublié de vous dire, en fait moi, mon fils, je l'élève et j'habite avec mes parents. Du coup, mon fils, il a une double éducation. Je te jure que c'est vrai, bon, pour moi, tout est grave. Pour mon père, rien n'est grave. À chaque fois qu'il tombe, je suis là, arrête, fais attention, tu viens de tomber. Mon père me dit toujours la même chose, mais laisse-le, il va grandir, il va oublier cette chute. La semaine dernière, je lui crie dessus, je dis, fais attention. Mon père, il arrive, il dit, mais laisse-le, il va tomber, il va oublier cette chute. Mais papa, il est à la fenêtre. Du coup, je ne sais pas comment l'éduquer. Je ne sais pas est-ce que je dois l'éduquer comme mon père m'a éduqué. Alors attention. Moi, je suis pas dans le cliché, mon père m'a très bien éduqué. Mon père ne m'a jamais tapé, il n'a jamais tapé ma mère. Franchement, certains comiques disent ça pour faire des blagues, moi, pas du tout. Moi, dans ma famille, vraiment, c'était comme la petite maison dans la prairie. Là, je te jure, c'est vrai. Même quand on n'avait pas à manger, mon père, il faisait du violon, tout pareil. Non, mon père, il m'a jamais tapé, il faisait pire que ça. Il me faisait la morale pendant des heures et des heures. Mais c'est pire que taper un enfant. Des fois, j'avais envie de lui dire, mais tape-moi, il y a un match qui va commencer, là.
En plus, c'est toujours la même chose. Ouais, t'es nul à l'école. Moi, quand j'étais petit, j'allais à l'école, j'avais pas de chaussures, j'avais pas de cartable. Tu sais ce que j'étais? Mais t'étais un roumain, mon frère. Du coup, je sais pas ce qui est bon et ce qui est pas bon pour mon fils. Et je me pose plein de questions. Parce qu'on vit vraiment dans un monde hyper violent. Et j'ai peur pour mon fils. En plus, la semaine dernière, j'ai failli le perdre. Je vous jure, c'est vrai, là, c'est la partie du spectacle où vous allez chialer normalement. Non, je te jure, je suis rentré comme ça, je rentrais du spectacle où la grande évasion du mercredi au samedi à 20h. T'as vu la promo comment elle est passée, quoi? Et je rentre comme ça, et il y avait un peu le calme à la maison. Je rentre dans le salon, il était allongé à plat ventre, en train de regarder Énergie 12. Mon fils, il regardait les anges de la télé-réalité. Mais ça fait peur, ça! Bon, celle-là, elle n'est pas passée, mais normalement... Non, mais c'est toujours, c'est vrai, j'avais peur pour lui. Du coup, je sais pas ce qui est bon, ce qui est pas bon pour lui. J'ai peur pour lui parce qu'on vit dans un monde hyper violent. On va pas revenir sur les attentats du 13 novembre. C'était vraiment grave. Et le plus grave, c'était Jaoued. C'est un truc de fou, ce mec. C'est l'homme le plus recherché de France. Il est là, il fait une interview avec BFM. Alors moi, personnellement, je les connais pas, les mecs. Hein. Attendez, là, deux minutes, la police, je suis en train de parler, là. Il a eu l'arrestation la plus pourrie des arrestations du monde. Je te jure, c'est un flic qui est passé. Mais c'est lui qu'on cherche, non? Du coup, c'est hyper violent. Même les jeux vidéo, c'est violent. Je vous jure, c'est violent. Moi, quand j'étais jeune, je jouais à Tetris. Vous avez tous connu Tetris. Bon, moi, je vous ai pas dit que je jouais à la Game Boy à Tetris. Je jouais avec mes potes à Tetris. Moi, je faisais le I, l'autre, il faisait le carré. On avait un petit chinois, celui qui faisait la musique. Alors que les jeux vidéo d'aujourd'hui, c'est hyper violent. Moi, il y a un mois, j'étais chez mon oncle, il y avait mon petit cousin Samir de 5 ans qui jouait à GTA. Je ne connaissais pas, je me suis mis derrière lui, j'ai dit Samir, conduis doucement, t'es dans la ville. Il dit, oh, je peux pas, tonton, je suis en mission. Ouais, bah, arrête-moi au feu au moins. Il me dit, je peux pas, j'ai de la coke dans le coffre. Je dis, mais fais gaffe à la dame, il me dit, oh, c'est pas grave, c'est une pute. 5 ans. Du coup, je me pose des questions. Je me dis, putain, le jour où mon fils, il aura sa première embrouille au collège. Tu sais, quand il dira, mais tu vas voir, je vais te ramener mon père, tu vas voir. Mais ramène ta mère, quoi, tu me ramènes moi. Non, mais parce que après moi, il va falloir que j'y aille à la sortie de l'école pour voir qui c'est qui a embrouillé mon fils. Mais t'imagines un petit peu la scène à 17h à la sortie de l'école. Bon, avec qui tu t'es embrouillé déjà? Abdoulaye. Oh là là. Mais je t'ai déjà dit qu'ils sont balèzes, ces mecs-là, là. Bon, c'est lequel, Abdoulaye? Quoi, c'est lui? Ce qu'il faut en cinquième, celui-là, là. C'est le prof, lui, non? Bon, bah, vas-y, prends une pierre et reste derrière. On sait jamais, ça part en couille. Vas-y, Abdoulaye, ouais. Traverse, c'est moi le père du petit, traverse. Inch'Allah, tu te fais renverser, traverse. Après, il faudra que je me batte avec Abdoulaye, parce que pour mon fils, je suis l'homme le plus fort de la planète. Mais t'imagines, je perds la bagarre. Tu sais, je serais plus crédible quand je dirais à mon fils, hey, il est 22h, va te coucher. Pfff. Je vais appeler Abdoulaye, on va voir qui c'est qui va dormir le premier, tu vas voir. Merci, c'était Boudère, je vous laisse sur ça, merci beaucoup. Des open du rire, de rire et chanson.